In September 2017, in Moscow, took place the International Pilgrimage of True Life in God. It was attended by almost 800 people from more than 60 countries embodying different church denominations and faiths. Along with Christians, the pilgrimage included Muslims, Jews, and Buddhists. The leaders of these religions were invited by Metropolitan Hilarion, Patriarch Kirill's delegate and chairman of the Department of External Relationships, to attend a meeting. The meeting was led by Archimandrite Filaret, vice chairman of the Department for External Relationships. The attendees spoke about the importance of the Russian Church and thanking the Church for graciously assisting Lebanese and Syrians in their time of crisis. Moreover, the discussion encompassed the unifying of the dates of Easter. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, дорогие гости Русской Православной Церкви. Я рад вас приветствовать от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя отдела внешнецерковных связей Московского Патриархата митрополита Илариона. Для нас большая радость приветствовать всех вас в России и в ее столице Москве. I'm called Vasula. I'm Greek Orthodox. I do pilgrimages every 2 years with the collaboration and help of some lay people for the view of Christian unity in diversity. But especially these last years, I'm drawn to do interfaith. And I have met all these people here and had dialogues before with them. I went to Syria and Lebanon and I met them and they invited me back. And so I invited them in the pilgrimage here. And we thought of honoring Russia this time, to come to Russia and pray here, exactly interfaith dialogue. So I want to thank you very much for opening your doors and receiving us. And thank you for all the humanitarian help and political help you are doing to the Orient. I can say this is the unique coming together, unique gathering. First time this True Life in God movement, we can say, or initiative, has attracted so many friends of different faith, different denominations, inter-religious dialogue, is a felt need today in this world for unity and peace and justice. In a gathering like this, when we come together, we naturally we address one another, brothers and sisters. It is not our creation. It is the Creator Himself who has inspired us to come together and address one another, brothers and sisters. It is definitely a new beginning, and it is good that we are moving in this direction, and it will surely bring about a tremendous change in the human society. After 70 years of atheism in Russia, we know exactly what is the result of life without God. Besides the phenomenon of Buddhists and Muslims in our midst, with whom we have great friendship and love. And Rabbi. And Rabbi. Where are you, Rabbi? Rabin. What has drawn us together to come to Russia is because we see in Russia great hope for the Christian Church. None of us questions or doubts the sobriety and the depth of faith of the Russian people. It has survived communism, which is a miracle in itself. But we are looking toward Russia in the Orthodox framework to take a leadership role in a very specific issue, and that is bringing the unity of the Christian Easter day, the Pascha day. Somehow, that is why we are all here, because we pray for that, for the unity of the faith, because it is a scandal to the non-Christians who don't understand why we have two Paschas. I don't challenge the patriarchy, but I encourage them to take leadership here. As you go, others will follow. As they lead, others will follow.
as the Russian patriarch leads. Others will follow. Yeah. That's the message we really bring to you. Jesus brings that message. I will definitely pass this message to His Holiness. I think we all agree to that. Yes. We offer it with love. Because we have come as pilgrims. And pilgrims come to be blessed. We know there's holiness here. We want to go back with holiness. I will definitely inform His Holiness what you just said. And I must say that Russian Church, and particularly Patriarch, understands his responsibility. He is definitely doing his best to bring whatever it's possible to the goal of Christian unity. نؤمن بالتنوع وبضرورة أن يكون التنوع موجود بمجتمعاتنا وبيننا. كل ما عم نعمل من لقاء تعارف في عنا قاعدة بتقول المرء عدو ما يجهل. فأنا بحاول نتعرف على الواقع. والرب يحن على ثقافة تقبل الآخر واحترام الاختلاف. الله يبارك فيكم برجع بكرر الشكر لكم على الاستضافة والأستاذة باسولا أيضا على جهدها المبارك.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau, de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Et si le monde à l'envers était en fait le monde à l'endroit? Et si le monde à l'envers était en fait le monde à l'endroit? Pour la plupart d'entre vous, vous avez participé au Triduum Pascal, ce jeudi saint, ce vendredi saint, ce samedi saint, secoué, remué, nous l'avons été, puisque on touche bien là au cœur de la foi chrétienne. Certainement, nous avons été moins remués et moins secoués que les disciples, que les apôtres qui entouraient Jésus dans ces jours si décisifs. Et on ne peut que se dire, à l'issue de ce Triduum, en ce jour où nous célébrons, où nous fêtons la résurrection du Seigneur, se dire que décidément, Dieu ne fait rien comme tout le monde. Et peut-être que c'est bien pour cela qu'il est Dieu, il est le Créateur, nous les créatures, et qu'il agisse autrement que ce que nous pouvons imaginer, ça n'a finalement pas grand-chose d'étonnant. Alors ce matin, joie de la résurrection. Nous l'avons entendu dans les textes, c'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée. La mort est vaincue. Nous sommes, grâce au Christ, appelé à cette vie éternelle qui nous est impossible avec nos forces, nos faibles forces humaines. Bonne nouvelle, et pourtant bonne nouvelle annoncée par un bien faible signe.
le signe d'un tombeau vide. Le signe d'un tombeau vide. Si vous étiez Dieu, si vous ressuscitiez d'entre les morts, quel signe auriez-vous choisi pour annoncer votre résurrection? Est-ce que vous auriez utilisé de grands effets spéciaux, du bruit, des lumières, une musique, des trompettes tonitruantes, que sais-je? Dieu a choisi que le premier signe de sa résurrection, ce soit un tombeau vide, la pierre roulée, les linges bien repliés, et les apôtres sont entrés là, ils virent et ils crurent. Ils virent et ils crurent à un signe qui est d'une certaine manière un non-signe. Eh bien, avec Dieu, ça marche un petit peu comme ça de manière générale. La victoire sur la mort, elle a été, sa toute-puissance a été révélée dans une toute faiblesse. Jésus, qui est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu faite chair, lors des épisodes de sa passion, de son jugement, n'a quasiment pas parlé. Pour ma première année de prêtre, j'ai eu la chance à deux reprises de proclamer l'évangile de la Passion, d'abord pour le dimanche des Rameaux et puis pour le vendredi saint, et j'ai pris conscience avec force qu'en fait Jésus ne dit pas grand chose. Le Verbe de Dieu ne dit pas grand chose en ces instants décisifs, et là encore ce sera là un signe. De même, on peut se dire que la victoire de Jésus sur le démon, sur le mal absolu, la victoire de Jésus sur la mort et le péché ressemble vraiment à un échec. Si un de vos amis avait une vie comme celle de Jésus et qu'elle se terminait comme lui, ça peut presque nous faire penser à Job dans l'Ancien Testament, le livre de Job. Jésus, à la fin de sa vie, va récolter coup sur coup. Et quand on voit des gens qui ramassent coup sur coup dans la vie, on se dit toujours qu'ils ont un peu loupé leur vie. Jésus, d'une certaine manière, à vue humaine, a loupé sa vie. C'est un échec. Et pourtant, saint Paul nous dit: la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre d'angle. La clé de voûte. Vous pouvez regarder le plafond si vous voulez. Imaginez cette belle voûte sans clé de voûte. Elle vous tomberait sur le nez. Eh bien, la clé de voûte, c'est une pierre que les bâtisseurs avaient rejetée. La clé de voûte de notre salut, de notre vie, c'est le Christ. Et il a été rejeté. Il a échoué, et c'est parce qu'il a échoué qu'il a réussi. Le grand paradoxe de la foi. C'est pour cela qu'en introduction, je vous disais: et si le monde à l'envers n'était pas en fait le monde à l'endroit? Alors, comment le salut de Dieu se manifeste? Nous venons de le voir. Nous comprenons mieux ce que dit Paul, et nous comprenons aussi que croire en Jésus, et ce sera le cas pour Raphaël qui va être baptisé tout à l'heure, et peut-être un peu pour ses parents, ça va les titiller. Croire en Jésus, ça bouscule totalement notre manière de voir la vie. Ça bouscule totalement nos certitudes. Ça bouscule nos objectifs, ça bouscule notre cap. C'est ce que nous entendions tout à l'heure dans la première lecture. Si vous accrochez votre vie aux choses terrestres, vous récolterez les choses terrestres. Est-ce que vous voulez les choses terrestres, frères et sœurs? Ou est-ce que vous voulez les choses célestes? C'est là la bonne question. Si nous accrochons notre horizon à ce faible horizon, à ce petit horizon d'une vie de 80 ans pour les plus vigoureux, comme dit la Bible, vous aurez une vie de 80 ans pour les plus vigoureux, comme dit la Bible. Moi, je vous conseille, je vous le recommande, et Jésus nous y invite,
d'accrocher notre vie à lui, parce que c'est la vie éternelle avec lui que nous visons. C'est cela la résurrection. La résurrection est acquise. Elle est une force, une puissance qui est à l'œuvre dans ce monde. Mais cette force, encore faut-il vouloir, accepter, travailler à se laisser mouvoir par elle. Je dis souvent que la foi est un cadeau. Encore faut-il recevoir ce cadeau et accepter d'en faire usage. La résurrection de Jésus est un cadeau parce que l'un d'entre nous, Dieu qui s'est fait homme, qui est 100% homme, 100% Dieu, est ressuscité. Un homme dans l'histoire de l'humanité est ressuscité et il nous appelle à ressusciter avec lui. Mais pour cela, il faut le suivre et il faut vivre une complète révolution, une révolution plus que copernicienne de nos objectifs. Avec Jésus, il ne s'agit pas de réussir dans la vie, il s'agit de réussir sa vie. Ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de réussir dans la vie, il s'agit de réussir sa vie. Et lui, Jésus-Christ, a réussi sa vie parce qu'il en a fait quelque chose pour tous. Il nous a tous sauvés et en cela, il a véritablement réussi. Sommes-nous prêts, nous aussi, à réussir comme Jésus réussit ? Frères et sœurs, je vous invite à entrer dans cette révolution qui est une révolution de l'intelligence, qui est une révolution du cœur, qui est une révolution de l'âme, qui est une révolution de notre manière de vivre. Soyez des révolutionnaires de l'amour, comme Jésus est un révolutionnaire de l'amour, et vous embraserez la terre. Nous avons encore quelques semaines qui s'ouvrent devant nous pour digérer cette bonne nouvelle et pour accueillir l'Esprit Saint qui nous sera donné à la Pentecôte. Alors travaillons, travaillons à accueillir cette puissance motrice de la résurrection de Jésus et désirons d'un grand cœur accrocher notre vie, non pas aux petites joies terrestres, mais à la vie céleste. Amen. Recevez la lumière du Christ.
C'est à vous, parents, parrains et marraines, qu'elle est confiée. Veillez à l'entretenir, afin que Raphaël soit illuminé par le Christ, qu'elle avance dans la vie en enfant de lumière, et qu'elle demeure fidèle à la foi de son baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, elle pourra aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande sainte. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et sur notre futur évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Raphaël, François, Giovanni, Jason, Léa, Léo, Edgar et Raphaël. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, particulièrement pour les vivants et les défunts de la famille Parois, pour Jean Moureau, Antoine et Louis Coudert, Gilbert Croise, André Coiffard, Jeanne Tellier, Marcel Bazoge, Henri Guillochon, Brigitte Chauchine. Reçois-les dans ton royaume
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Appris du Sauveur, et selon son commandement, nous chantons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Please make
pas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Господа помолимся. Господи, усне наши отверзиши, и уста наши возвестят Твоему Твою. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, да исправит Господь стопы ваши. Да поминет вас Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Благослови, Владыко. Господи, душе моя, Господа!
Господу помолимся. Господи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Oh,
Ахинее, исцеляй тебя, Иисус Христос, восстань из постели твоя, и Ами восстан, и видишь его все живущие в лите его Ахсароне, и же обратишься ко Господу, о и опиши бе некая ученица именем Тавифа, я же сказаема глаголица серна, сия вяша исполнена благих дел и милосты, я же творяше, выше во дни тыя, болевшие ей умрете, а бывши же ю, положишь в горнице, ближе сущий Лиди и Афи, ученицы, слышавшие, яко Петр есть в ней, послаши два мужа, к нему молящие его, не обленитесь, а прийти до них. Восстав же Петр, иди с нима, его же пришедшего сведошу в горницу, и предсташи ему вся вдовица плачущая и показующая ризы и одежды, велико творяши с ними сущий серна. Изгнав же вон вся, Петр, преклонь колено, помолися, и обращься к телу рече, Тавифа восстань, она же отверзи очи свои, и видишь Петра седе, подавши ей руку воздвижию, и призвав святые и вдовицы, постави юже его, уведена же бысть всех по всей Иопии, и многие веровавши в Господа. И духове твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Апостола Евангелиста Иоанна Богослова, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия, возлюбленного Сына Своего, Господа нашего, Иисуса Христа. Множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движение воды, ангел во Господень на всякое лето схождавший в купель и возмущавший воду, и же первое влазище по возмущении воды, здравы ваше, и тем же недугом одержим вы ваше, бежит у некий человек, 38 лет, и мы в недузе своем, сего видим Иисус, лежащий и разумев, яко много летом уже имяше в недузе, глагола ему, хочешь или цел быти, отвечай ему недужный, ей, Господи, человека не има, да игда возмутится вода, вержит мя в купель, игда же прихожду вас, ин прежде меня слазит,
глагола ему Иисус, восстани, возьми одр твой и ходи, я бездрав быть человек, и взе одр свой и хождаше, беже суббота в той день, глаголах уже жидове исцелевшему, суббота есть, и не достоит ти взять одра твоего, он же отвечает им, и же мясо твори цело, той мне рече, возьми одр твой и ходи, вопроси сейчас же его, кто из человек реки ти, возьми одр твой и ходи, исцелевый же, не ведящий, кто есть, Иисус бо уклонся, народу сущу на месте, потом же обрети его Иисус в церкви и рече ему, все здрав бысть, тому не согрешай, да не горше ти, что будет. Иди же в человек и поведай иудеям, яко Иисус есть, и же мя сотвори цело. Я души и от всего помышления нашего рцем. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, молим Тебя, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, о преосвященных архиепископе и епископе, и о всей во Христе, братья наши. Еще молимся, Богохраниме стране нашей, властек и воинствия, да тихое безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся, братья, наших священницах, священномонахах и все во Христе, братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших, православных и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о строителях, благоукрасителях и жертвователях святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Господу и Спасителю нашему, о, еже сохраните в единении правоверии Церковь православную во всем мире пребывающую и даровать ей мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем си, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, о, еже благосердием и милостью презрите на святую Церковь православную и сохранить ее от разделения расколов, от вражды и нестроений, да не умалится и не поколеблется единство и я, но да славится в ней три святое имя Твое, рцем си, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Державы Твоей
всегда хранимы, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Пресвятейший Креститель, о святых славных и всеклавных апостолах, о святом праведном и Сергей Алексеев, именно Алексеев.
святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих слово Твое я истины. Архиерейство Твое да поменяет Господь Бог во царство. Имя Осты, имя сердца, славить и воспевать, честное великолепно имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресвятый, во веки веков. Аминь. Ибо будут милости великого Бога и спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. И со Духом Твоим. Святые, помянувши, паки, паки, миром Господу помолимся. И освященных честных даре Господу помолимся. Господи, помилуй. Я, когда человеколюбец Бог наш, прием его святый пренебесный мысленный свой жертвенник, воню благоухание духовного, вознес после нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. Господи, избавиться нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Гнев всего совершенно, свято, мирно и безгрешно, у Господа просим. Мирно, верный наставника, хранителя души телес наших, у Господа просим. Удай, Господи! Прощение и оставление грехов и прегрешений наших, у Господа просим. Удай, Господи! Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа просим. Время живота нашего в мире и покаяние скончать и у Господа просим. Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа испросившее сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Святая Божественная Литургия
на который мы все собрались. Это единение в вере, это единение в любви позволяет нам почувствовать близость друг друга. Это позволяет нам совершать новые добрые дела и духовно трезвиться, избегать этого расслабления и, собираясь воедино, преодолевать все трудности. Поэтому в этот святой день, прославляя вновь дни Святой Пасхи, будем поддерживать друг друга, будем близки, как мы сегодня были в этом удивительном богослужении, когда и сама природа сорадовалась вместе с нами и освещала нас лучами солнца. И дай Бог, чтобы память о нашей соборной сегодняшней молитве была светлым лучом, помогающим нам быть крепкими в вере, твердыми в любви и едиными в своем стремлении к добру и друг другу. Храни вас всех Господь! Христос воскресе! Пришеди мир грешное спасти, от них же первый есть мас. Ище веру, яко сие самое пречистое тело Твое, сие самая честная кровь Твоя. Молюсь, оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня неосужденно, причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставление грехов моих и в жизнь вечную. Аминь. Вечери Твои я тайные, дней Сыне Божий, причастниками прими. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, да не в суд или в осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Thank you.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici à Strasbourg et bienvenue à vous, téléspectateurs, qui suivez ce culte en direct sur France 2 et en Eurovision. L'année 2017 marque le 500e anniversaire de la réforme du XVIe siècle. Oui, depuis 500 ans, ce que les réformateurs ont semé transforme la vie spirituelle, culturelle, sociale et politique. À l'occasion du rassemblement protestant en fête 2017, à l'initiative de la Fédération protestante de France, nous sommes très heureux de vivre avec vous ce culte. Alors que nous sommes très nombreux, nous formons ensemble un seul cœur par notre union avec le Christ, et nous sommes tous, et chacun pour sa part, les membres les uns les autres. Et c'est Paul qui écrit ça dans la lettre aux Romains. Nous vous invitons donc à vivre ensemble ce grand culte XXL sur le thème de la fraternité dans la belle diversité du protestantisme. Je vous remercie d'accueillir Monsieur Christian Albecker, président de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine. Chères sœurs et frères, je suis heureux de vous accueillir toutes et tous pour ce culte qui constituera, j'en suis persuadé, le temps fort de protestants en fête. Bienvenue chez vous dans la fraternité en Christ. Il ne m'est pas possible de saluer individuellement les nombreux représentants de l'État, des collectivités locales et territoriales, ainsi que les élus nationaux, députés et sénateurs, qui nous font l'amitié de leur présence ce matin. Qu'ils soient toutes et tous les bienvenus. Je salue également très fraternellement les représentants des autres confessions chrétiennes, catholiques et orthodoxes, ainsi que ceux des autres religions, en particulier juifs, musulmans et bouddhistes. Votre présence est un signe de la vitalité et de la cordialité du dialogue œcuménique et des relations interreligieuses ici en Alsace et au-delà. Toute sa vie, Martin Luther n'a eu d'autre but que d'amener ses contemporains au Christ et de leur donner accès au message libérateur de l'Évangile. S'inscrire dans son sillage ce matin, c'est vivre la fraternité en Christ qui nous est offerte par-delà les frontières confessionnelles parce que nous sommes tous enfants d'un même Père. Joyeux culte à vous toutes et tous. Avant toute chose, nous vous invitons à prier ensemble. Dieu fait de nous des hommes et des femmes capables d'ouvrir les yeux sur ce qui nous a déjà été donné et de dire merci. Exprimons notre reconnaissance pour quelques événements marquants de cette année 2017. Merci pour les dialogues avec les chrétiens catholiques et orthodoxes, le travail œcuménique au quotidien, dans les familles, dans les paroisses, dans les instances internationales. Merci pour la signature de la déclaration commune sur la justification par la foi, par la communion mondiale des églises réformées. Merci pour la création d'un couloir humanitaire en collaboration avec les églises vaudoises pour permettre à des réfugiés syriens en grande précarité d'être accueillis en France. Merci aussi pour le travail de mémoire qui nous engage avec le judaïsme. Et merci pour les nombreuses expositions, pour les conférences, pour les colloques, pour les publications, pour les débats, pour les concerts, pour les créations artistiques et musicales, pour les veillées, pour les cultes qui ont jalonné cette année dans toute la France. Merci. Et pour cela, nous te louons. Tu es ma force, ma consolation.
toi. Oh,
Avant de lire la Bible, nous prions. Seigneur notre Dieu, réunis à l'occasion de cette fête, nous cherchons à approfondir nos relations. C'est sur ton Fils Jésus, le Christ, que notre fraternité se fonde pour se déployer dans le monde. Ton Esprit nous unit, qui nous donne d'accueillir et de méditer ta parole. Amen. Lecture de l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 2 à 4.
Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Protestant, en fait, c'est aussi 3 jours de fête pour les jeunes. Entre la soirée Sola Fiesta et ce matin, ils ont partagé leur foi, leurs questions. Pour témoigner de leur engagement, ils ont construit un arbre de la fraternité. En voici un aperçu. Regardez. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 15, les versets 13 à 15. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Yeah.
Début du chapitre 4 du livre de la Genèse. Caïn apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très fâché. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu fâché ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu n'agis pas bien, le mal est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi. À toi de le dominer. » Caïn parla à Abel, son frère. En pleine campagne, Caïn se jeta sur Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait ?» Nous lisons en Luc 15. Il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché envers le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et habillez-le. Mettez-lui un anneau au doigt, des sandales aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voici, était mort. » Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il approcha de la maison. Il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il lui demanda ce que c'était. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé. » Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a vu revenir en bonne santé. Alors il se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit pour l'en prier, mais il répliqua à son père. Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est arrivé, lui qui a mangé ton avoir avec des filles, tu as tué le veau gras pour lui. » Frères et sœurs, chers amis, le geste que nous faisons maintenant est celui de nous mettre à l'écoute. Au cœur du culte se trouve l'écoute de la parole. Comme l'affirme le protestantisme depuis 5 siècles, fidèle au premier commandement, écoute Israël. La parole que nous écoutons est celle d'une grâce qui nous accueille tel que nous sommes et quoi que nous ayons fait, nous établissant frères et sœurs à égalité entre hommes et femmes, fils et filles, d'un même père. Alors la parabole du fils prodigue que vous venez d'entendre
invite à l'intelligence. Puis-je dire que le message de l'Évangile n'est pas celui d'une morale, mais celui d'un appel à l'intelligence. Puis-je dire que croire, c'est aussi penser, penser le monde et son malheur pour le traverser et pour y entrevoir les promesses, enfin, d'une réconciliation, d'une fraternité réconciliée. Le Christ nous propose d'être intelligent. Il suggère que la fraternité nous oblige les uns les autres, comme l'énonce cette expression « noblesse oblige », « fraternité oblige ». Nos vies, notre monde ont besoin de fraternité et il nous est demandé de vivre en bonne intelligence. Ce jour, oui, il nous est annoncé l'identité chrétienne, protestante, évangélique et fraternelle. Et voici comment. Le récit raconte l'histoire de deux frères. L'un, le plus jeune, quitte la maison, l'autre, l'aîné, n'a jamais cessé d'y travailler. Et au retour du prodigue, qui ne peut plus rien revendiquer, vous vous souvenez peut-être de cette histoire, l'aîné se met en colère. Lui n'a jamais désobéi, il est resté à son poste, il a toujours travaillé, et il prend mal qu'on fasse la fête. Il ne peut partager la joie qui s'exprime déjà, celle d'un père qui retrouve un fils perdu. Il ne comprend pas, lui qui n'a rien perdu, lui qui croit qu'il ne s'est jamais perdu, lui qui croit qu'il est bien dans sa vie, que son père court au-devant du fils et lui offre sa grâce, avant même que ce fils ne balbutie la moindre confession des péchés. Il ne comprend pas qu'on s'occupe d'un perdant, d'un impur, d'un SDF, d'un réfugié, même pas politique. Il ne comprend pas que la vie n'est pas la vie sans les risques, sans les larmes intérieures, sans les douleurs, sans la mort, sans le remords, sans le courage aussi d'un retour et sans l'immense joie de retrouvailles. Il ne veut pas entrer pour la fête parce qu'il pense être, lui, seul dans son droit, seul légitime, et par manque de confiance aussi en un père qu'il voit se laisser attendrir au lieu d'être sévère. Et il s'exclut, ce fils aîné, sûr de lui, si pur à ses yeux. Il s'excommunie en niant la fraternité et dédaignant la main qui l'invite. Sa vie est sans vie, comme cadenassée, sans souffle, en croyant être mieux que l'autre, qui a des torts. L'aîné ne règle pas la question de la fraternité, il y ajoute seulement son ressentiment. Il se tourne sur lui-même. « In curvatus in se », disait Martin Luther pour désigner l'homme pécheur, recourbé sur lui-même, ne pensant qu'à sa vérité, qu'à son mérite, qu'à lui-même, comme l'a fait Caïn dans le récit que vous venez d'entendre, apportant sa rancœur et non son cœur. Alors que le père l'invite à s'ouvrir à l'autre différent, ce frère qu'il ne veut même plus connaître, quand il le nomme devant son père, « Ton fils, que voilà !» comme s'il s'agissait d'un inconnu. Tout pourrait s'arrêter ainsi sur l'évocation d'une invitation qui attend sa réponse, sur la description des préparatifs d'une fête incomplète. Mais une bonne nouvelle est cependant en germe. Oui, une bonne nouvelle se dit comme en cachette, dans le secret de nos cœurs, dans le secret de notre intelligence. Cette bonne nouvelle se lit presque entre les lignes. L'absence de conclusion de la parabole suggère de poursuivre, d'inventer les pages non écrites d'une joie et d'une fraternité pourtant toujours possibles.
Il s'agit de comprendre que le frère ou la sœur que l'on ne peut pas voir seront malgré tout présents demain et après-demain, dans la maison, à côté de nous, et même après-après-demain, et que la vie ne s'arrête pas parce que l'on a décidé de se fâcher, que la colère ne peut pas s'éterniser. Vous ne pouvez pas être sans arrêt en colère. Il faut donc réfléchir et penser. Il faut tenir les promesses inaccomplies que la parabole a désignées de loin, au travers de nos responsabilités citoyennes déjà, dans le champ de nos engagements. Chacun est invité à poursuivre cette parabole afin de donner souffle à la vie, de donner souffle aussi à notre société qui en manque, afin de donner du souffle à la République. Oh, une République qui ne reconnaît aucun culte, mais qui les connaît tous, et au sein de laquelle le protestant peut assumer sa vocation de vigie, vigie de la fraternité et sentinelle de l'Évangile. Une société où le protestant accomplit cette vocation, celle d'entendre la colère de tous les aînés, mais sans jamais en être complice, ni en nourrir l'orage, mais bien pour la conduire à son apaisement par l'écoute, la bienveillance, la réflexion, la prière. Rien ne sert de culpabiliser, rien ne sert de condamner à notre tour l'aîné comme l'aîné condamnait le prodigue. La porte reste ouverte, énonce la parabole. Et la fraternité possible demain et après-demain. À l'image de l'histoire de Caïn et Abel, souvenez-vous, une histoire placée au tout début de la Bible, comme pour suggérer qu'une suite est possible après que le pire a pourtant été commis, il est annoncé une promesse, celle d'une fraternité réconciliée où nous pourrons dire et où nous pouvons dire d'ores et déjà « Oui, je suis le gardien de mon frère et de ma sœur. » Cette parabole alerte donc. Elle met en garde contre toutes les revendications identitaires, contre le fondamentalisme qui excommunie, qui humilie parfois, qui tue par les mots ou par les actes. Eh bien, la réforme a rappelé il y a 500 ans déjà que la foi en Christ ne revendiquait rien pour elle, que la foi était avant tout confiance, qu'elle appelait à la fraternité. Oui, la foi se tient du côté de la confiance et elle ouvre sur demain et sur après-demain. Croire, c'est ainsi ouvrir son intelligence avec confiance contre Caïn pour qui croire revient à se justifier, à se comparer et finalement à haïr. En Christ, chacun, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, telle est la bonne nouvelle, se trouve situé à égale distance de l'autre, même le plus différent, même le plus insupportable, même le plus étrange, de sorte qu'il est frère et que nous sommes frères et sœurs à jamais. L'identité chrétienne, protestante, évangélique, délibérément fraternelle, accepte l'altérité en confiance et avec intelligence. Et ensemble, nous préparons demain où une fête nous attend. Dieu vous bénit. Amen. Oh.
d'accueillir maintenant Ariadne et Anna Sifou et bonjour. Leurs hôtes, Liliane et Jean-Pierre. Bonjour. Ariadne et Anas, vous êtes réfugiés syriens. Ariadne, pouvez-vous nous dire pour quelles raisons vous avez quitté la Syrie ? Alors, bonjour. Je suis parti en 2014 à cause de la guerre. Je ne peux pas rester en Syrie, soit être enrôlé avec Daesh, soit le service militaire. C'est obligatoire chez nous. Je ne peux pas mourir. Je veux pas mourir en Syrie pour n'importe qui ou n'importe quoi. Anas, pouvez-vous nous dire par quel chemin vous êtes arrivé en France ? Je suis sorti en 2015 de Syrie, à Liban. Liban, Turquie. Je suis resté à Turquie 3 mois parce que le chemin européen était fermé, mais on a trouvé notre solution pour aller à Guyane française, mais il faut prendre les avions. On a sorti Turquie-Dubaï, Dubaï-San Paulo. Après, on a pris le Bicap 4x4 pour traverser les jungles Amazonie. Après, on a Guyane française. Nous sommes restés 9 mois pour avoir les papiers de réfugiés. Après, on a pris l'avion pour venir ici en France. Ariadne, comment s'est passé votre accueil dans la région de Strasbourg ? Nous sommes arrivés à Strasbourg et nous ne connaissons personne à Strasbourg. On a dormi 5 nuits à la gare. Après, on a rencontré un monsieur qui travaille dans la FEB, qui a un contact avec monsieur Jean-Pierre et madame Liliane, qui est hébergé chez eux. Elle a appelé monsieur Jean-Pierre et le lendemain, nous sommes allés à rencontrer monsieur Jean-Pierre et madame Liliane. Et on est maintenant, on est hébergé chez eux dans un village près de Saverne. Je suis maintenant intérimaire, je travaille et la vie est belle. Anas, quels sont vos projets ? J'ai pris le français maintenant. Je cherche le travail. J'ai trouvé un stage. Plus tard, je vais terminer mon étude de vétérinaire. Comme j'aurai trouvé un appartement, je vais faire venir ma femme. Merci. Merci Ariadne et Anas. Merci aussi à leurs hôtes, Liliane et Jean-Pierre. Merci à Jean-Pierre et Mme Zanfou. Merci. Merci à vous qui faites partie d'un collectif d'accueil partout en France. La fraternité se vit aussi dans la prière. Cette corde disposée ici, que nous allons maintenant utiliser, est une invitation à tresser demain, dans nos lieux de vie, des paroles, des actions avec d'autres frères et sœurs, pour ne pas témoigner seul de l'Évangile. Je vous invite à entrer maintenant dans ce temps de prière. Père, à travers Jésus-Christ, tu nous rappelles cette dignité irréductible que, par grâce, tu donnes à chaque être humain, chaque femme, chaque homme, chaque enfant. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui subissent le mal commis par leurs semblables, et notamment les victimes de toutes sortes de violences ou de discriminations, raciales, sexuelles ou religieuses. Rappelle-nous notre responsabilité. Nous pouvons apprendre à vivre les uns avec les autres. Seigneur, redonne l'espérance et la force aux plus démunis.
Inspire à nos communautés et à chaque membre de nos églises le courage de s'engager. Que nous puissions créer et développer ces lieux de refuge et de ressourcement dont notre société a besoin. Oui, pour les responsables de notre pays, qu'ils entendent la voix des tout-petits pour chaque décision qu'ils auront à prendre. Oui, ta part, nous te reprions pour l'église locale. Pour nos églises locales, donne-leur ton esprit pour qu'elles deviennent des lieux de créativité. Oui, ta parole ne se prend toujours. Oui, que ta parole devienne source de joie pour toutes les générations. À toi, Olivier. Père, que tu nous as confié la terre et tout ce qu'elle contient, nous te prions pour celle qui est ceux qui subissent les conséquences néfastes de nos modes de vie. Bravo. Apprends-nous la reconnaissance, la sobriété et le partage, parce que nous désirons inventer de nouveaux modes de production et de nouvelles manières de vivre. Accompagne-nous dans ce temps de la scène que nous allons vivre. Amen. Nous allons bientôt entrer dans le temps du partage et du pain et de la coupe, un temps de communion fraternelle. Nous saluons les téléspectateurs qui vont bientôt nous quitter. Avec vous aussi, nous sommes heureux d'avoir tissé des liens de fraternité. À très bien. Vas-y, ça marche. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. On lève la main ensemble. On lève la main ensemble. C'est au rythme d'un Alléluia que catholiques, orthodoxes, protestants et anglicans ont débuté le rassemblement pascal œcuménique sur le parvis de la Défense ce dimanche de Pâques. Cette année, comme en 2007 et 2010, les calendriers julien et grégorien coïncident, l'occasion pour les chrétiens d'Île-de-France de s'unir pour annoncer la bonne nouvelle ensemble. Nous voici unis, par-delà nos confessions diverses, pour chanter la gloire de Dieu et faire monter vers notre Père notre louange et notre joie. Christ est ressuscité. Plusieurs milliers de fidèles ont répondu à l'appel pour cette manifestation œcuménique de la résurrection. Pour Mgr Daucourt, évêque de Nanterre, ce rassemblement prend notamment tout son sens alors qu'il a lieu dans ce temple de la finance. Le ressuscité nous donne rendez-vous
pour que nous passions les frontières. Ça nous rappelle, nous sommes chrétiens dans le monde, pas à côté, pas en face. Nous ne sommes pas une église qui se défend contre le monde mauvais. Nous savons bien qu'il y a des choses mauvaises dans le monde, mais d'abord dans notre cœur. Et donc avec la puissance du Christ ressuscité, eh bien nous voulons essayer de contribuer à éloigner le mal et à faire en sorte que l'humanité grandisse dans l'amour, puisque la résurrection du Christ, c'est quand même Jésus qui vient et qui à nouveau ouvre les portes pour que toute l'humanité puisse rejoindre Dieu le Père dans l'amour éternel. Après la proclamation de l'Évangile, la prédication et la profession de foi dialoguée, les fidèles se sont tournés vers les quatre points cardinaux pour prier, comme le veut la tradition orthodoxe, un temps fort d'unité entre chrétiens. La fête de Pâques, c'est une fête qui se proclame pour le monde entier. Et donc le fait d'être tous ensemble, ça a aussi un poids et une force, ça donne une force à notre message, un message d'espérance. En vérité, l'unité est quelque chose d'intégré à la foi. Le Christ en a parlé à ses disciples avant de les quitter pour être crucifié. Et sans cette partie, il y manque quelque chose. Plus les chrétiens se rapprochent, et en particulier le jour de Pâques s'y prête particulièrement, plus les chrétiens se rapprochent du centre qu'est le Christ, plus ils sont unis. Pour les fidèles, ces partages de prières entre chrétiens sont toujours des moments de grande joie. On doit nous dépasser effectivement, je dirais simplement, nos églises, nos petites communautés, et on doit tous se retrouver ensemble. On est catholiques, et ce matin de Pâques, comme les femmes qui ont été au tombeau, on s'est levés et on a été dit « Christ est ressuscité », c'est merveilleux. Je suis copte orthodoxe, je viens de l'Égypte, et c'est parce que l'unité des chrétiennes, elle est très importante, elle est très importante. Et des tels rassemblements, elles prouvent qu'on n'est pas divisé, que le Christ est un et qu'on est uni. Le rassemblement s'est achevé par le geste de paix et l'échange des œufs. Chacun a ensuite pu rejoindre son lieu de culte pour la célébration pascale. Il faudra attendre 2017 puis 2034 pour à nouveau avoir une coïncidence des calendriers et vivre Pâques à l'unisson.